profil est un peu en pente, je peux couper ma traction dès maintenant et les 140 km/h se fera au profil. Très bien. Et du coup, quelle est la vitesse préconisée là en ce moment avec l'adhérence dégradée par la note automnale? Donc ici, c'est 100 km/h. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de soucis, soucis particuliers au niveau de l'adhérence, donc je me suis permis de monter un peu plus vite. Ok, surtout on n'a pas d'arrêts commerciaux entre plaisir, Versailles et plaisir. Du coup, on peut se permettre de monter à cette vitesse-là. En revanche, à l'approche de plaisir, on la réduira. J'anticiperai l'arrivée à plaisir, en effet. Très bien pour la main sur le sifflet, là encore gare en courbe, donc visibilité réduite aussi bien pour les voyageurs que pour nous. Alors à quel endroit exactement tu penses donner ton coup de frein là pour l'arrêt à plaisir? Je pense donner mon premier coup de frein, donc ma première dépression à 0,5 bar, à l'approche de plaisir les clés. Okay. Un petit peu avant, au niveau des barrières du pont, ça te va. Ça me convient, ça nous laisse une belle distance de freinage. Là, comment ressens-tu ton train? Là pour l'instant, je regarde la vitesse, j'ai pas de baisse significative qui pourrait prédire un enrayage. Ok. 110 km/h, à plaisir avec les clés, je vais pouvoir compléter ma dépression. Là, on peut observer les premiers signaux de traction électrique avec l'annonce, la première annonce baissée panto. Étant donné qu'on a un arrêt commercial à plaisir et que la section de séparation se situe après, on gérera cette partie à la remise en mouvement à plaisir.